Et bonjour à tous, c'est l'ami Fob à l'appareil, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, merci de le demander. On se retrouve sur Enshrouded, n'est-ce pas, ce splendide jeu d'action-aventure qui ressemble beaucoup à Zelda Breath of the Wild, n'est-ce pas? On a fait une exploration là, la vidéo précédente qui était très fructueuse mais qui était drôle. Et là, on est parti pour essayer de trouver ce creuset. Pour le forgeron, Olivier est parti en éclaireur. Je vais aller le rejoindre de ce pas. Mettre un marqueur parce que je sais pas trop où je vais là. Oh, les champignons rigolos. J'aime bien les gros champignons là. Ils sont drôles. Ils sont vraiment drôles. Ouais. Ok, je suis à... Pas du tout, peut-être. Je suis à 200 mètres. Ça va être en haut, c'est ça? Ouais, je suis en train de miner pour grimper justement. J'attends que mon mana remonte. Ah non. Yes. Et quoi ce bordel? Ok. Là, je suis devant la mine. Reste à trouver l'endroit où il faut miner. Hein? Déjà devant la mine? Ouais, il faut juste à gauche en fait. Pas besoin de miner par là-haut. Ah, bordel. Oh putain, je suis tombé. Pas grave, on n'a pas peur. Hop. Oh la vache, one shot. C'est doux. Faire dessus, c'est mal. Je suis en haut de la mine, moi. Ok. Oh, je regagne plein de vie en tuant les mobs, c'est vraiment cool. Alors, il doit y avoir un endroit à creuser, je pense, pour... Il doit y avoir... Ouais, elle doit être quelque part dans un... Effectivement... Il faut creuser pour la trouver... Du coup, il faut bien regarder toutes les... Les parois. Moi, je suis en haut, du coup, hein. Mmh. Oh, ça va? Oh, ouais. Je sais pas, sur l'écran. J'ai cru que t'étais mort. Non, non, ça va. Ah, c'est peut-être un mob. C'est peut-être un mob. J'ai dépensé tout le monde, quoi. Non, de l'eau, merci. Je me tire. J'ai vu, j'ai une. Oh, salaud. Un petit coffre. Arrêtez de me mettre les trucs dans ma barre d'action, s'il vous plaît. Le jeu.
emplacement ci-dessous, moi, ça me dit, mais... Je ping un autre truc, je pense. T'as pas plus loin, plus haut, en fait, encore. Là, je suis en haut, je regarde partout. Rien de spécial, là. Là, il y a plein de pièges. Alors là, je ressors de la mine. Ouais, j'ai toujours envie de faire des trucs stupides. Je ne sais pas. Bah, c'est pas stupide, quand même. On peut là. Ah, si, je peux. Alors. C'est pas en haut, hein. Ok. En haut... Des traces de bataille ici, il y a plein de bois par terre. Là tu es déjà venu. Ah, je déteste chercher les amis, c'est vraiment une activité que j'aime pas. Alors, je suis totalement en train de chercher sur le net, hein, je disais, j'aime pas chercher, donc ils disent, ils disent, depuis le bas, une fois, hein, enfoncé directement dans la plus grande caverne face à l'entrée, ok, avancer jusqu'à trouver, aïe, une enclume, il y a des mobs encore ici. Ah, une enclume. Ah oui, c'est bon, je l'ai. Enfin, je pense. Je dis qu'il y a une enclume, et là, il y a, derrière un mur, il y a un truc. Il y a un halo lumineux. Ouais, c'est bon. Ok. Je peux creuser. Bah, parfait. Un lire aussi. C'est marrant parce que je me souvenais pas qu'on avait visité cet endroit. Hein. Je ne crois pas en fait. Parce que les. Bah, je pense franchement pas qu'on était rentré aussi profondément dans. Attention, il y a un piège. Ouais, on n'était pas entré aussi profond dans les. On pensait que c'était. En haut. Non, même des. Tu sais, des tunnels pour passer d'un endroit à un autre quoi. Ok, bon bah ça c'est cool. Du coup, est-ce que dans le coin il y a autre chose? Oh non, il n'y a plus rien, c'est juste ça. Il y a passage de la grotte, mais bon. On est à la maison. C'est... Obélisque. Non, il n'y a rien d'autre. Ok, et eh ben c'est cool, on va pouvoir lui donner son creuset au forgeron. Ah merde. On va le mettre à la place de l'établi, je pense que c'est une bonne idée. L'établi, on va le bouger un petit peu. Oui, le creuser.
Tac. Et du coup avec ça, qu'est-ce qu'on débloque? Merde. On peut juste le ramasser, donc ça débloque directement. Hein. Ok. Ça débloque que dalle. Now get out. Je crois qu'il est pas assez prêt. Voilà. Non. Non. Ah, tu l'as bloqué dessus? Merde. Non, c'est bon. Yes. Rive, dis-moi. Attends, bah, c'est peut-être suivre la quête, tout simplement. Bah non, il n'y a plus la quête. Ok. Non, quête est donc terminée. C'était... changer les armes et dormir, non. Démanteler, améliorer. Non plus long de la quête. Le creuset a été retrouvé, le forgeron doit maintenant le transformer en fonderie. C'est pour fabriquer la fonderie. Ah. On va voir tout ce qu'il faut. Mais il manque... Non, c'est bon. Non, il manque des briques. La brique cuite. Ah, oui. C'est où la brique cuite, du coup? C'est au charpentier. Enfin, c'est dans le four du charpentier. Il en faut combien? Il en faut 50, je crois. Attends, je vais te dire pour être sûr. Il en faut 50, on en a 18. Donc il en faut 32. Allez, j'en fais 50, comme ça on aura quand même en rab. Bah, par contre, ça va être très long. Genre 24 minutes. Tac, allez, je me vide les stacks. Bonheur, évidemment. Ouais, c'est dommage d'ailleurs que ce soit aussi long, parce qu'on en aura besoin rapidement. Histoire de pouvoir repartir à l'aventure tout de suite. On va se faire ça, on va crafter ce... J'ai fait de la place. Ouais, je m'en organise. L'échelle était chiant quand même. Là où elle était. Pour prendre l'air un peu. Ah mais il faut de l'eau et de l'eau, on en a plus. On va mettre en stop la production de fleurs pour le moment. C'est quoi cet objet qui est là? Un bug de texture affiché? Ah oui, on dirait un reste de l'établi, je sais pas ce que c'est. Juste devant mes pieds là. Au sol. J'ai rien. Ok, bah j'ai un glitch. Ah si, 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 ouais, il y a un bug graphique. Ouais. Voilà, plus discret. Relativement long, faut un petit truc à faire. Ouais, je vais retourner chercher. On va aller à la capitale. Ou alors, ou attends. Ah, ce qu'il y a, c'est que là, justement, l'intérêt de fabriquer la fonderie, c'est que ça va nous apporter du nouvel équipement. Et ce serait bien d'avoir de nouvel équipement pour explorer ce qui nous manque, là. Ouais, ouais, ouais. Là, faut plutôt se faire un truc genre... moi, je vais retourner chercher de l'eau. La repop. Il nous manquerait comme ressource aussi. Avec le bourreau 43. Voilà. De quoi?
Page de bourreau 43. C'est une main, ça. C'est une main, c'est bien. Non, c'est deux mains. Ouais, si du coup, c'est pas bien. Non. Non. Tu peux virer. Ah, on a bientôt plus tout. Donc, on a bientôt plus de fer en soi. Ah, arrête de glitcher, monsieur. Ouais, je vais retourner voir s'il y a de la flotte. En problématique. On vient d'y aller. Ouais, mais je crois. Aujourd'hui même. Je sais pas combien de temps. En combien de temps ça respawn en fait. Ah, si ça respawn, tu me dis, j'irai à l'autre là. Oh, il fait nuit. Attends, je vais aller me coucher. Pas du tout. Mais faire du delta plane la nuit, c'est déconseillé. Hein. Voilà. Merde, je suis allé trop loin. Ouais, moi, le puits où je suis, c'est revenu. Je vais essayer d'aller à d'une lutte. Aller visiter le pont des anciens aussi avant d'aller à la capitale. En soit, si on est capable d'aller à la capitale, on est capable de faire ce pont là vu qu'il est avant la carte. Ouais, ouais, ouais. Voilà, y'a que dalle. Y'a que dalle en flotte. Enfin, y'a trois bouts de flotte qui traînent. Je vais retourner à la maison. Je crois que j'ai eu 3 eaux aussi. Ok. J'ai pas eu trop le temps de contrôler parce qu'il y avait le sanglier. Le sanglier qui me chargeait, donc je vais esquiver. Du coup, bah ouais, on peut tenter à la limite d'aller au bois envoûté et puis de voler plein nord-est pour aller vers le pont des anciens là. Ouais, alors attends, je regarde juste mon équipement s'il n'y a pas des trucs en trop. Non, ça va. Bois envoûté ? Ouais. On va se caser un petit truc rapide hein, le temps que les. Il y a les deux chapelles, le chapelle de la flamme et le sanctuaire là qui sont au nord-est. Ouais. Dans l'ombre. Après je sais pas si c'est pas. Et tu voulais aller où? Seulement tu as un architecte compétent sous la main, il suffira de faire un aqueduc pour le ravitaillement d'eau. Il m'en peine sur le chat. Oui, on peut aller se faire ça. Non, je crois pas un aqueduc. Oh, quoi cette idée. Bon, du coup. Après, j'ai peur que si on aille dedans. Si, en fait, si. J'ai déjà allé sur l'îlot central, là. Il y a une espèce d'île en plein milieu. On va déjà aller par là. Ok. J'ai l'impression que le pont est vraiment dans la brume de toute façon, donc heurte en termes de chance. Atterrir bien haut sur la montagne. Pas ce qu'on aime. Oh. Merde, la chapelle de la flamme est en bas. En ce moment, on s'en fout les chapelles de la flamme, puisqu'on a. Enfin, on peut les farmer, quoi. Il suffit d'aller à côté d'une. Et... Maintenant que je sais que ça respawn, je trouve beaucoup moins d'utilité à les. Ouais. Après, il y a le sanctuaire qui est plus intéressant, peut-être. Encore, je sais même pas. C'est quoi la différence? Je sais même pas.
Je pose la question. Ah si, les sanctuaires, c'est dans un bâtiment. Donc c'est ça. Oh putain, il m'a fait peur. Casse-toi le mob. qu'est-ce qu'on fait? On saute et on plonge dans la brume vers le puits d'élixir comme ça ou... Lequel le puits? Celui... à côté de nous. Il est là, hein? Ouais, ouais. Allez, si tu veux. Parti déjà? Ouais, ouais. Faut me le dire deux fois. On sait bien, en même temps, on n'est pas tout de suite dans le... dans la brume, là. C'est pas mal. Je vais peut-être faire une halte sur un rocher quelconque avant de descendre. Là. Oh oui, du coup, il est tout proche, en fait. Oh oui, oui, c'est proche, ça, c'est très bien. Ça doit être dans une structure, hein. C'est en... Ouais, peut-être. Enterré. Ah oui, oui. Bon. Alors, où sont les mobs? Mais il y aura un checkpoint. Pour un bouquin. Ouais, checkpoint. Yes. Ok. Attention la lave. Ah, il est où l'entrée? Du coup, on descend où? Ah, là-bas. Non? Non, je pensais. En général, elle est tout proche du checkpoint. Ici. Ok. Chiant, ça c'est toujours l'ennemi qui est le plus loin, ça n'a pas de sens. Il est où? Ah merde, t'as craché? Non, je suis tombé en planant là. Hey. Ah putain de fleurs. Tellement mal quoi, alors en chair quand je prends des coups, mais je fais tellement mal que c'est assez impressionnant. Ah, yeah. Oh putain. Oh sorcier, attention. Oh putain, le salaud. Un autre? Ah ouais. Ouais. Ah. Ouh. Ok. Ok, donc là on arrive sur une nouvelle plateforme. Oh, niveau 16. Est-ce que j'ai assez... Non.
foire, il m'a fait super mal. Ok, c'est pas par là. Là. Par là. Non plus. Là où je suis. Manger quelques fraises. De là qu'on vient ? Ah non, non, c'est là, c'est là. Non, non, ouais, c'est là. De toute façon, il y a deux boss, il y a deux gros. Oh putain, j'ai dashé dedans. Ah bordel! Il vient sur moi! Ah! Oh la vache! On est tué un. Ah, je pars si près, on est tué un. Ah, c'est beau. On va voir ta garde de merde, voilà. Ta garde au cul. Ouf. Voilà. Alors j'ai droppé un arc de merde, puissance 7. On va virer ça. Et l'autre il a droppé un truc ou... Même pas regardé. Non. Ok. Juste sa tête. Ok. Est-ce qu'on remonte tout à pied ou est-ce qu'on se téléporte à la tour Si on veut aller en... Attends. Je pense que si on veut aller vers la capitale, pour remonter à pied. Hein. Non, vers le pont des anciens, on avait dit. Ah, le pont des anciens? Ouais. C'est où ça? Ah oui, bah pareil, hein, je pense qu'il faut y aller à pied. Hein. Ok. Bah allez. T'en as mis une de tête en décoration d'ailleurs dans ton... dans ta chambre. Ah, j'ai pas vu. Il n'y a même pas les décorations, le faire. Non. Oh, je suis retombé comme un con. Que c'est chiant les trucs de grillage. Grimper là. Descends ton endurance. C'est assez violent. Ouais. Et donc là, si j'en suis la logique... On va partir plein nord. Dommage que ça reste pas comme ça la zone en fait, que les racines repopent et que la bonne revient. Sur... Ouais, c'est dommage, ouais, effectivement. D'accord. Bon bah c'est par là-bas, un peu plus loin. Y'a des fraises partout. Ouais par contre tu es les comment? En planant? Ouais. Et après on va marcher dans la brume. Allez. Bah en plus. Chemin et un camp par contre. Bandit mob souvent. Bonjour. Il fait que heureux. Ce camp totalement à l'abandon. Oh. Plein de potions dedans. Un autre coffre. Piège de cuivre. Ok, bah si t'es prêt à repartir, je fais ça. Ouais, ouais. Ça nous remonte le temps et on se casse.
casse par là. Ah, je sais pas, tu viens. Par le nord? Ouais. Ah, y'a des mobs. Oui, les sorciers aussi. Aïe, putain, moi j'ai plus de... vraiment chiant que je puisse rien faire contre eux. Et un crochet à gauche. Hein? Un crochet à gauche. Ouais. Il y avait l'archer en haut. Il a été extrêmement dur à tuer d'ailleurs. Attention, il y a un gars derrière toi. C'était un gars, maintenant c'est un cadavre. Ok. Oh. Merde, un échec. C'est là, un archer. Et où on est là? Pas trop mal. Aïe. Non. Ah non, c'est tout rouge encore ici. Ah putain, c'est une racine en fait qu'il y a en face. Je croyais que t'avais un mob sur toi. J'arrive. On a un autre? Ouais, et un autre archer. Enfin, coucou. Ah, il y en a en bas encore. Il y en a deux autres en bas. Pas des archers, hein, des mobs normal. Ah, mais attends, je redescends. Claque la nuque. On a un archer là-bas. Merci pour ah, il y en a plein. Oh, y'a un boss. Oh, il a l'air énervé. Oh, j'ai raté, j'ai mis clic. Putain, quel con. J'ai fait ma roulade dans lui. Ah, quel idiot. J'ai fait ma roulade dans ses jambes. Forcément, ouais, ça marche moins bien. Ça arrive, hein. D'ailleurs, peut-être que ça m'a sauvé la vie parce que quand j'ai fait ma roulade, une table vraie. Ça m'a évité de la faire dans ses pieds. J'ai perdu mon bonus, par contre, ça, c'est un petit peu embêtant. Allez, on va grimper là-haut. Il y a encore une échelle, on peut grimper. Ça nous enlève la brume en plus, c'est cool. Tout là-haut. Et un coffre. Alors un coffre avec... Et là on voit la racine qui nous intéresse. Ouais. Donc je pense qu'on peut aller voler directement dessus. Allez, il va y avoir plein de mobs là-bas. Hein. Ouais. Je vais soigner un coup. Bandage, ouais. Allez. Oh putain, brume rouge, brume rouge, brume rouge, brume rouge, brume rouge. T'es mort aussi? Ah mais clair, tout de suite. Dès que j'ai touché le sol, j'étais mort. Allez. C'est pas très clair, hein, la zone, ça se voyait pas vraiment que c'était rouge. Ouais, on voyait absolument pas la rouge. Hein. Ah, bon, on voyait pas que c'était rouge, du tout. On n'est pas si loin. Bah, si on peut récupérer nos corps, ce serait bien parce qu'il y a quand même pas mal de matos dessus. Ouais, mais pareil. Je pense que ça doit être au niveau de la tour. Hein. J'espère, au niveau du saut de la tour, ouais. Au moment où on a sauté. Normalement, c'est au moment où on saute. Hein.
Sinon, moi en plus, je l'ai dépassé la truc, parce que du coup, j'ai essayé de me sortir de la bande rouge, entre guillemets. Ça, c'était. Je m'attendais pas à ça. C'est vraiment pas du clair. Tout. Ouais, elle est où la tour? Pas 110, Ouais, non, ça sera en haut de la tour. Ouais. Oui, ça doit être ça. Alors du coup, comment on fait? C'est ça que je comprends pas. Est-ce que vraiment la brume rouge devient de la brume bleue quand on a augmenté la résistance à la brume dans notre base? Merde, j'ai peut-être récupéré le tien. Bon, c'est pas grave. Hein? J'ai peut-être récupéré ton corps, en fait. Ouais, à première vue, ouais. C'est pas grave. Désolé. Après, on peut quand même... Ah, c'est quoi ce merdier? Il a plus d'endurance, peut-être? Non, il a raté le grappin. Il est monté, mais pas sur la plateforme. Ah, elle est en plein milieu de la brume rouge, quoi. Je vois pas comment... Je vois pas comment on peut y accéder. Non, on peut pas, hein. Et pourtant, sur la carte, elle est pas sur la brume rouge, ouais, hein. Je vais aller devant, au sol, en fait, déjà. Tac. Non, elle est pas sur la brume rouge, c'est juste que c'est la zone... Elle est dans une zone rouge non, à la non. Oh, là-dedans. Ah, elle est pas sur de la brume rouge, c'est bon. Une zone de feu. Ouais. C'est juste qu'il faut pas aller sur le sol, en fait. Ok, c'est bon. En fait, du coup, je peux y aller plus loin. Ouais, et moi aussi. Et quand je suis allé plus loin, j'étais dans la brume rouge parce que j'étais de l'autre côté du pont, en fait. Ça. Et du coup, je suis mort instant. Non, bah du coup, parfait. Y'a quoi là-bas? Je suis curieux. Des catapultes, on dirait. Ouais. Ouais, après faut pas aller trop loin parce que la brume rouge est là, pour le coup, mais... Ok. D'accord, on peut sortir, je pense, par là. Il y a une pente douce. Ah! Ok. Je suis pas sûr. Non, bah viens, on va se téléporter, je vais faire la coupure ici, moi, et après on ira... On doit avoir de quoi faire le creuset, tutti quanti. La fonderie plutôt. Ok. Bon, du coup, je suis plus. Reviens là où j'étais à peu près, là où il y avait l'arbre. Il y avait la zone. Non, mais je suis à la tour. Je vais faire un hop. Je vais me vider. Ah, bah, reste poli, voyons. Le mec il me dit ah vous avez du mycélium, les mecs on en a depuis le début du jeu quoi. On répare ça. On se vide les coffres. Ah il y a l'alchimiste qui a un nouveau petit truc à dire. Ouais c'est ça, il me dit qu'on a du mycélium, super quoi. On manque, on en a. Ah c'est lui qui disait ça? Ouais. Puis, ouais. Il s'est mis les pieds dans la boue là, je crois. Il a baissé de niveau. Tout a baissé de niveau en fait. Tac, ça, bandage propre. Ok. Tac, une petite fraise. Et du coup, bah, c'est là-dessus que je vais faire la coupure pour YouTube et la pause sur le stream. Et puis, bah, on se retrouve tout de suite après pour la suite de l'aventure. Allez, à toutes.